Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des nouveaux camouflages qui sont disponibles en zombie. Donc je vais vous expliquer comment vous devez faire pour débloquer le camouflage or, diamant et dark matter. Alors si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner poto, merci d'avance. Et c'est parti pour la vidéo, let's go! Alors pour débloquer les 3 camouflages, vous allez d'abord devoir débloquer les 9 camouflages que vous voyez là. Pour débloquer les camouflages, il y a le défi en dessous du nom du camouflage. Ensuite, quand vous avez débloqué les 9 camouflages, ça vous donnera 5 nouveaux camouflages à débloquer. Le nom du défi est aussi noté en dessous du camouflage. Quand vous avez fini ces 5 défis de camouflage, vous débloquerez enfin le camouflage or. Pour débloquer le camouflage diamant, vous allez devoir débloquer toutes les armes en or pour la catégorie d'armes suivantes qui vous noteront. Et pour débloquer le dark matter, là, il va falloir débloquer toutes les armes en or. Donc franchement, c'est super long les potos. Et si vous voulez le faire, je vous souhaite bon courage. Par contre, j'ai une bonne nouvelle les potos. Vous pouvez débloquer le camouflage en mode facile. Donc vous lancez en mode facile sur n'importe quelle map et vous faites les défis en mode facile, ce sera comptabilisé. Maintenant, je vais vous montrer l'évolution des 3 camouflages. Parce que oui, ils peuvent évoluer et c'est juste énorme. Donc quand vous avez débloqué un camouflage, vous appuyez sur triangle pour avoir plus de détails. Et là vous pouvez voir que quand je vais commencer la partie, mon arme sera en or comme ceci. Ensuite quand je l'aurai améliorée une fois au pack à punch, elle sera en or et il y aura des petits trucs brillants comme vous voyez. Et quand je redonnerai une deuxième fois de l'amélioration à mon arme, donc quand je l'améliorerai avec un élément, elle ressemblera à ça. Et franchement elle est super stylée. Alors vous l'aurez compris, quand vous vous équipez d'un des 3 camouflages, si vous mettez votre arme dans le pack à punch, elle ne prendra pas l'apparence du pack à punch de la map. Et je peux vous dire que c'est tellement galère d'avoir ces camouflages que, encore heureux, elle ne change pas quand vous la pack à puncher. Alors pour le camouflage diamant, quand vous commencez la game, elle sera tout simplement en diamant. Après 250 kills, elle évolue, 500 kills, elle évolue, etc., etc. Là, vous voyez toutes les évolutions. Et franchement, elle est quand même terrible. Mais c'est pas la meilleure. Vous allez voir, la meilleure, c'est le dark matter. Le dark matter, quand vous commencez la partie, elle est normale. Et quand vous allez faire 50 headshots, 100 headshots, 200 headshots, elle va évoluer jusqu'aux 500 headshots. Et franchement, quand vous avez atteint les 400 headshots, elle est vraiment badass. Après, le camouflage des 500 headshots est aussi magnifique. Cependant, je trouve que Treyarch a un petit peu déconné sur le nombre de kills et le nombre de headshots à faire. Je trouve qu'ils auraient pu faire les paliers genre tous les 50 zombies tués pour le diamant. Ça aurait fait 300 kills et là vous auriez atteint l'évolution maximum du camouflage. Ça aurait été beaucoup plus jouissif parce que faire 2000 kills mon pote, c'est super long, ça te prend au moins 2 heures. Et pareil pour le dark matter, je trouve qu'ils ont quand même exagéré parce que 500 headshots c'est énorme. Ils auraient pu faire au moins la moitié, tous les 25 headshots, le camouflage il évolue. Ça aurait été beaucoup plus jouissif pour tout le monde. Ça aurait fait 150 headshots et ça franchement ça aurait été nickel, ça aurait pas pris trop de temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les potos, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulu Mike et ciao, peace.